Et salut, salut à tous, c'est Lucas Certes et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Toy Story 3 sur ma... Pourquoi je suis en train de perdre de l'argent maintenant? Putain de merde, je perds chaque fois 10 balles là, je comprends pas. Voilà, donc on se retrouve pour ce nouvel épisode. La dernière fois, on avait fait pas mal de trucs, pas mal de petites missions de course, bazar et tout ça. Là, on va continuer. Alors, les gars, là, j'ai une tilt. J'ai une petite tilt. Je me demande si le truc de la citrouille géante, je me demande si c'est pas ça en fait. Genre que je dois prendre ça et la faire grandir avec ça, tu vois. Alors ça, c'est ce que ça fait grandir les trucs. Ouais. Ça fait grandir, ok. Donc on va prendre ça. On va prendre ça, les gars. Et on va aller jeter sur la citrouille pour voir si c'est ça. Peut-être que c'est ça. Et à mon avis, c'est sûrement ça. Hein. Ça, j'y dis rien. Putain, ils disent, je perds de l'argent là. Donc ça veut dire que les bandits sont en train de me baiser. Ils sont en train de me baiser de l'argent. Mais ah ouais, c'est ça. Et ben c'était ça, putain. Ok, au début je croyais qu'elle allait pousser toute seule, mais au final non, il fallait faire ça. Ok. Alors. Est-ce que Zigzag a des autres missions pour nous? Ouais. Le concours de bétail va bientôt commencer. Et si on présentait ma vache de compétition au juge, histoire d'essayer de remporter le premier prix? Et elle est où ta vache de compétition? J'ai pas mal de missions là en fait. Hein. Concours de bétail. Attendez, c'est quoi? Prends la plus belle vache de zigzag au concours de bétail pour le premier prix. Mais comment est-ce que je vais savoir? Ah là 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 là. Alors je pense qu'on va aller faire ça en premier. Puzzle de dino. Creuse. Ok. On va faire cette mission là. Alors je suis encore avec Jesse. Hein. J'ai oublié d'aller changer. Mais bon, c'est pas très grave non plus. On s'en fout. On s'en fout. La prochaine fois, on prendra Buzz ou Woody. Ils volent pas la banque là. Parce que c'est bizarre. Je suis en train de perdre trop d'argent là. Regardez, encore 10 balles. Toutes les 10 secondes, je perds 10 balles là. Ah, ils sont là-bas les puzzles en fait. Ok. Ok. On va monter ça. On va prendre déjà de l'or parce que on en a besoin là. Ok, donc les pièces du puzzle sont ici, visiblement. Ah, il faut casser. Ok. Bah, tant mieux, au moins je récupère de l'or comme ça. Ah, c'est ça ce petit tableau en fait en bas là. Ok. Hop. Et de deux. Très bien. Tam 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 tam. Alors, la prochaine elle est visiblement ici en bas. Ouais, elle est là. Très bien. Paf. On prend la pièce. Alors l'autre, elle est vers le haut. Non. Ah, il y en a une autre ici. Très bien. Parfait. Il y en a combien? Il y en a 6, je pense. Encore deux. Il y en a 6. Ok, donc ça a l'air d'être un petit dragon bizarre. Ok, là on remonte, flag, j'en suis sûr, il y en a une tout en haut. Ok, on va monter, on va monter, on va monter. Ouais, je la vois, mais alors comment est-ce que je vais... Je vois les deux, je les ai vus les deux. Comment est-ce que je vais monter là-bas? Alors on va rouler par-ci.
on va monter là. Ok. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ok, je suis arrivé à cette là, très bien. Il en reste encore une. Hop. Ouais, c'est bien un petit dinosaure. C'est pas un dragon. Alors l'autre est par là. À mon avis, d'ici, je peux. J'ai peur. Ok. Parfait. Voilà. On les a toutes. Mission accomplie. Puzzle Dinos. Très bien. Donne-moi des pièces parce que j'en ai besoin. Ok, on récupère ça. Je me demande à quoi servent ces petits cubes là. Ah putain, je suis sorti ici carrément. Ok. 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 On revient là-bas. Alors, il y avait une autre mission. C'est celle-là, Toy Mort là. On va mettre la boussole, on va aller vers là-bas. Et il faut récupérer quoi pour lui? Fais sauter la montagne aux abords de la ville avec des barils de TNT. Oh putain. Oh putain. Attendez, on va voir ça. Ah ok, c'est là, c'est pas très loin. Après, il faut que j'aille voir ce petit soldat aussi, parce que peut-être à d'autres endroits où je peux le jeter. Ok, on va monter là. On va choper l'or. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ok, il y a un truc de TNT juste là, très bien. J'ai pas compris ce que je dois faire en fait. Putain, il y a 1 million de bandits là. On va déjà annuler. Attendez. C'est pour ça que je perds de l'argent tout le temps. C'est ça. Je dois les prendre un par un et les foutre en tôle. Ça va mettre du temps hein, tout ça. Ok. Ah ok, bah c'est bon. Ils sont où les autres? Ok, c'est fait, c'est bon. Alors là, pour cette mission là, les gars, j'ai pas bien saisi hein. J'ai vraiment pas bien saisi. Alors qu'est-ce qu'il veut en fait? Fait sauter la montagne aux abords de la ville avec des barils de TNT. Hein. Donc sûrement il faut en mettre plusieurs. Déjà on va regarder ce petit soldat là. Ok, là-bas il y a un endroit où je l'ai pas jeté, vous voyez. On va le faire. Il y a combien de minutes là? Presque 10 minutes. Très bien. Tout va bien. Ok, là on calme le truc. Ok, parfait. Easy, easy. On est à 7 sur 30. Hein. Encore 23 à l'air de rien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur lesquels je peux. Ah, c'est ça qu'il faut jeter. Ah, ok, il faut les jeter là, les barils. Ok, très bien. J'ai vu. Et quoi, genre, c'est tout? Il n'y a pas d'autre endroit où je peux le jeter? C'est pas normal, hein. Ah, putain, si, regardez, il y a un truc caché, là, vous voyez. Vous avez vu comment c'est? Heureusement, j'ai eu l'idée
de regarder derrière, hein, parce que... Ok, on est à 8. Si là... Je pense que tant qu'ils sont là, c'est qu'il y a encore des trucs. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. On va voir un peu tout ça. Là-bas, c'est fait. Là-bas, c'est fait. Genre, il n'y a aucun autre endroit, là. Quand même bizarre, hein. Ça me paraît quand même bizarre. Mais étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. C'est la musique de Toy Story 1. Bon, ta mère... Ces putains de soucoupes volantes, là aussi, elle m'intrigue, hein. Parce qu'il y en a quand même par, un peu partout. Et donc, je dois me poser ici, je pense. Et... jeter... Ok. 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 Il en reste encore. Paf! Wouah! Putain, la Naruto, mon gars! Genre, mais c'est trop stylé! Mais c'est trop stylé! Wouah, c'est stylé ça, les gars. C'est bien fait, hein. Putain. Alors, ce soldat là, il m'intrigue, les gars. Putain. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, il y a encore des trucs. Je pense que là-bas, vous voyez, regardez là-bas. Voilà, voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Vous voyez, il faut bien regarder partout. Je me disais bien. Je pense que tant que... Non, 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 non. Merde. Je pense que tant que le soldat reste là, à mon avis, c'est qu'il y a encore des trucs. C'est qu'il y a encore des zones où on l'a pas... On l'a pas jeté, vous voyez. Par contre, celle-là, elle va être compliquée, hein. Je peux pas passer par là. Je suis obligé de contourner. Je suis obligé de contourner le truc. Ok, on y croit. Putain, là, je perds 40 balles comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, ça le fait au calme. Voilà. Et de neuf. Est-ce qu'il est encore là? Mais putain. Alors, est-ce qu'il y a des bandits, là, qui attaquent la banque ou quoi? Parce que je suis en train de perdre de l'argent. Voilà, il y a un putain de bandit, ici. Fils de chien. Alors, où est-ce que je pourrais jeter ce putain de soldat là? Il y en a un là aussi en haut. Je pense que lui aussi, à d'autres endroits, je pourrais le... Regardez, là-bas, je vois déjà une petite lumière. Voilà, il y en a un là-bas, une là. Ok, il y a déjà deux trucs qu'on n'avait pas vus. C'est ça le truc, hein. Hop. Parce que mon objectif est quand même d'essayer de faire le jeu un maximum au 100%. Donc tant qu'on peut remplir les missions, faire les trucs, on le fera, hein. Hop, là, il faut faire attention. Il y en a encore un là, hein, en plus, regardez. Hop. Et voilà, très bien. 10 sur 30. On est à un tiers de la mission. Alors on va déjà faire celui-là là-bas aussi, qui est juste là. Hop, ça en fera donc 11, 12. On sera 12 sur 30. Presque la moitié, hein. C'est presque la moitié. Alors je suis pas vraiment hors sujet avec ce let's play, hein, parce que j'ai fait ce let's play comme ça, bim, sur un coup de tête. Mais il faut retenir aussi qu'il y a Toy Story 4 qui sort, hein, en 2019. Il sort en 2019, le Toy Story 4. Ça fait quand même déjà, je pense... Ouais, le Toy Story 3 est sorti en 2010. Donc ouais, 9 ans après quand même. C'est quand même beaucoup, hein. 9 ans après le 3, ils sortent le 4. Voilà, ça c'est fait, ça fait 11. Et on gagne des pièces, ce qui est stylé. Alors là, on va le jeter par là. Très bien, à mon avis, ça va être
faisable aussi du premier coup. Putain, j'ai faim, j'ai rien mangé. Là, il est déjà 15h. J'ai toujours rien mangé. C'est assez chaud quand même. Ah, il y a encore un endroit là. Putain, donc ça va faire 13 alors, du coup. Parfait, tant mieux. Tant mieux. En plus, il y a des zones qu'on a même pas encore vues, comme par exemple cette zone là. Elle est fermée, donc on pourra sûrement y accéder par la suite. Donc ça en fait 13. On le reprend. Et paf, c'est lancé. Paf, 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 dans ta gueule. Paf, paf. Là, on doit aller vers la droite, à mon avis. Enfin, à mon avis, j'en suis sûr même. Oh putain, j'ai mal au ventre, tellement j'ai faim. Oh. Je sais pas pourquoi non plus je fais des folies pareilles. Je me suis réveillé à 10h et j'ai toujours rien mangé. Putain, c'est parce que quand tu te réveilles, t'as pas forcément faim, tu vois. Et donc après, voilà, t'attends, et au final, t'es baisé. Ok. Alors, je me demande s'il est toujours là, donc je me demande s'il n'y aurait pas encore d'autres... Voilà, je me disais bien là-bas. Il y en a encore un. Alors on est presque à la moitié, là, ça va être le 14. Hop, très bien, ça fait 14. On va le rechoper. On va essayer de voir si on voit pas une petite lumière comme ça. Un petit faisceau lumineux. Là, j'en vois plus. Hein. Là, je n'en vois plus. Je me demande, en fait, c'est ça que je veux savoir. C'est si t'as tout fini, est-ce qu'ils disparaissent les petits soldats ou pas? Parce que je pense que non, hein. Je pense qu'il continue à rester là, même si t'as fait tous les petits trucs. Ouais, non, à mon avis, il n'y en a plus. À mon avis, il n'y en a plus. Donc on va voir si les autres missions, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Sauf la diligence, bah c'est fait. Elle est où cette diligence? C'est pas la mission que j'ai remplie là tantôt là. C'est la diligence qui était là, non? Bah ouais, c'est par là qu'elles arrivent les diligences. Cette mission elle est remplie. Qu'est-ce que c'est que ça, nom de Dieu? Peut-être elle est pas là. Hein. Peut-être elle est vers là où il y a zigzag et tout. Je me demande c'est quoi ça. Hein. Je sais toujours pas c'est quoi ces statues là. On va aller voir ici. Peut-être ici il y a des petits soldats qu'on n'a pas vus. Ah voilà, un petit soldat là-bas en haut. Je me disais bien. Ici d'office il devait en avoir. En plus on n'a encore rien fait dans cette zone là pour au niveau des soldats. Donc on va voir ce bourbier maintenant. Hop, allez. Escalade, petite salope. Petite salope. Bim et bim. Très bien. Alors, là il y a plusieurs points, regardez. Hein. On va commencer par celui-là là-bas, tout au bout. Sur le toit du truc là. Ah non, ici ça va être easy, je pense, tous les points. Là, il y a des trucs à péter, hein, regardez. Il y a des trucs à péter avec des barils, hein. C'est ce que je vais faire après, je pense. Hop, putain, tout juste, hein. On est à la moitié, les gars. On est à la moitié. Alors, après, on avait un... Par là. Hop. Ouais, c'est vrai qu'on perd du temps quand même à faire ça. Mais bon, ça fait partie des missions qu'on a à faire. Donc autant les faire maintenant. Comme ça, après, on est tranquille. Hop. Parfait. Voilà, même lui, il a dit.
Les gars, vous avez vu? Ah non, c'est bon, je suis à 13 000, ok. Je suis à 13 693 pièces, ok. Très bien. Je me disais, putain, mes pièces, elles augmentent pas, c'est quoi cette merde? Oui. Mais si, mais si. Hop. Il y en a un tout près, là aussi, je l'ai vu, vous inquiétez pas, mais je vais en premier faire cela là-bas, je pense. Putain, celui-là là-bas, il est loin. Je pense que là, on va arriver à 20, il nous en manquera plus que 10. Et voilà, le tour sera joué. Non! Oh putain, j'ai failli rater. Très bien. 17. On va déjà faire celui-là ici. Ok, on va le faire descendre. Descend, descend. J'en ai vu qu'il y en a un à gauche aussi. Très bien, là je pense que c'est pas mal. Paf, très bien. On est à 18. On va le lancer. J'ai vu qu'il y avait un ici. On le fait descendre tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ok. Très bien, mon ami. Allez, mon ami. Et paf, et bim. Ça fait 19. Alors là, il y en a encore. Pam, pam, pam. Il y en a encore un là-bas tout au fond. Celui-là, là-bas, je me demande. Il y en a encore deux. Donc un là et un là. Ok. On va faire celui-là en premier. Parce que pour celui-là, là-bas, je pense que j'étais déjà mal parti. Ah, il y en a encore un là, ok, cool. Attends, on va faire vraiment les soldats aujourd'hui, mais à fond, hein. À fond. Au moins, on a avancé dans cette mission-là. Bim, très bien. Ça fait 20, donc du coup, on en aura 22, alors. Il en manquera 8. Très bien. Alors, je me demande si je peux là atteindre celui-là tout au bout. Il me fait peur, celui-là tout au bout, je sais pas pourquoi. Alors que je suis sûr que je vais arriver easy, mais... Il m'a l'air trop loin, tu vois. Ok. Les gars, en plus, je suis en stress pour ce match d'aujourd'hui, là. Brésil qui joue sa qualification. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je suis brésilien. Et donc, putain, je suis en stress, mais de ouf. Ok. Pouh, c'est bon. 21. On est déjà à 23 minutes les gars. Les petits soldats là ils nous ont bouffé notre temps. Mais c'est pas grave hein. De toute façon on devait le faire un épisode ou un autre, ça devait être fait. Donc autant et encore on a même pas fini hein. Il nous en reste encore 8 à faire après celui là Donc voilà quoi. Alors est-ce qu'on a d'autres peut-être vers le fond? Je pense pas hein, parce que ce serait trop court. Pour y aller ce serait trop loin plutôt. Ok. Et bim. Très bien. Ça nous en fait 22, les gars. 22 putain de soldats. Il nous en manque 8. Alors, les 8 qui nous manquent, je sais pas du tout comment je vais les trouver. C'est peut-être dans les autres villes qui sont encore bloquées. Je sais pas. En tout cas, on va arrêter parce que là, je pense que j'ai tout fait ici. Alors, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est le côté là-bas. Là. Parce que je pense qu'il y a des trucs à péter là avec les TNT. Ouais, c'est par là, je pense. Ouais. Donc là, il y a un truc de TNT. Ah non, merde. Là, il y en a. Là en haut, il y en a. Okay, très bien. C'est pourquoi je devais péter ça, en fait. Dites pas que ça n'a aucune utilité, quand même. S'il y avait une chose que je sais faire, c'est niquer des mères. Non, paf, ta mère. Ok. Encore un là. Je sais pas à quoi sert ça, hein, les gars. Je sais pas du tout.
va voir. C'est tout? Ça a servi qu'à ça? Attends, non, mais zéro, hein, les gars, zéro, hein. Putain, mais ça a servi à rien de faire ça? C'est quand même bizarre, hein, les gars. C'est pas normal, hein. Ok, alors là il y a un truc là, c'est quoi? Bizarre, bizarre. Je pense que ça sert à rien. Alors je vais aller construire d'autres trucs dans notre première ville principale là. Pour sa vache là, le concours de vache, je sais pas où je vais trouver sa vache. Il y a pas mal de missions que je suis quand même bloqué, hein, les gars. Si on regarde ici, sauver la diligence, je sais pas c'est où, parce qu'il n'y a pas de boussole. Les vaches en altitude, je sais pas c'est où. Concours de bétail, je sais pas où je peux trouver cette vache. La photo parfaite, ça va être compliqué aussi. Plus de bâtiments, ça va, on va le faire maintenant. Tarte à la citrouille. Ah, peut-être que ça, je peux le faire maintenant. Est-ce qu'il y a une citrouille là qui traîne? Non, il n'y a pas de citrouille. Oh. On va planter des graines. On va planter des graines. Mais les taupes en question dévorent toute notre récolte. Alors, on va devoir niquer des taupes de nouveau. Ok. Je pense qu'il faut tuer les taupes pour planter une graine. Ok. Voilà, la graine elle est là. La citrouille elle est là. Je pense que maintenant je dois la choper et la ramener chez le pâtissier à mon avis. Parce que je vois pas d'autres citrouilles. Je vois pas d'autres endroits où je peux choper une citrouille à part là. Ce qui craint c'est que je dois vraiment tout faire à pied. Ça c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas grave. Alors après ça, on va clôturer l'épisode, on est déjà à 27 minutes. J'essaie de ne pas dépasser les 30 pour cette partie-ci du jeu. Pour que ce soit bien regardable, tu vois. Voilà, je pense que je dois la jeter dans la pâtisserie à mon avis. Ok, c'était bien ça, parfait. Mission accomplie. Alors ce que je peux faire... Putain, il y a des autres missions là maintenant, c'est stylé. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est construire des trucs. Fleuriste, je peux construire un fleuriste. Ok. On va construire quoi? Le fleuriste, allez, c'est parti. On construit le fleuriste. On va le mettre. Non, on va le mettre dans cette ville-là, comme ça on complète la mission. Voilà, mission complétée, parfait. Ça va, on avance pas mal, les gars. On avance pas mal, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, on va terminer cet épisode ici. Pour le prochain, on continuera les missions qu'on n'a pas fait. On essaiera de faire, on prendra des nouvelles missions. On avancera dans le jeu. À mon avis, il reste encore pas mal d'épisodes, hein, sur ce coffre à jouets. Oula, petite vidéo en fin d'épisode comme ça. Quoi? La mairie a été emportée. Voici la demande de rançon. Ah, le maire. C'est accaparé toutes les... Ok, ok, donc le maire s'est fait... le maire a été emporté, ouais, nani. Mais c'est accaparé toutes les richesses, mais on va lui reprendre. Très bien. Ok, donc le maire s'est fait kidnapper, hein, le connard. Hein. Ok, donc voilà. Donc on se retrouve au prochain épisode pour avancer, continuer à avancer dans ce jeu. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque à 700 abonnés, j'espère que peut-être quand cet épisode sortira, on y sera déjà. Hein, on sait jamais, Inch'Allah, comme on dit. Merci à tous, c'était Lucas RT. Ciao les gens.